à tous et à toutes, ici Pharo et Sanius, on se retrouve pour la suite de The Frontier. Oh, il y a Esther. Hey there, hope all's going well. Alors. Je dois trouver un soldat de la RNC bourré. Hey buddy, how's about I buy you a round? Drinks on me all day. I'm getting laid tonight. You see that blonde in the cage upstairs? I finally got the courage to ask her to fuck. Best part, she didn't slap me. C'est moi ou il était dans un état lamentable? Le mec, il littéralement, il dit « Ouais, j'ai enfin eu le courage d'aller parler à la blonde là-haut dans la cage. Du coup, ce soir, je vais me la faire. » Et du coup, tu vois, le venant, tu dis, tu peux pas te taper une meuf comme ça, tu dois être clean, tu dois être confiant, tu vois. C'est... Ouais. Là, je vais lui dire ça. Après, t'as le charisme, c'est tu devrais vraiment te changer dans un habit un peu plus propre, je sais pas, un uniforme de rechange peut-être. I wish I was that slick. You're damn right. This uniform smells like booze, blood, and piss. Me and the fellas keep clean ones upstairs. So how's about you get me a fresh one? I'll see what I can do about getting cleaned up and practicing my dirty stuff. Ok. Maintenant, je dois aller fouiller dans son casier. Alors, de souvenir, il est à l'étage, son casier. Maintenant, je dois infiltrer le camp Phoenix. Ça va être le moment le plus dur, ça. Surtout que la RNC au camp Phoenix, ils sont un petit peu excités du bulbe. À toutes. Non, pas celui-là. Tu changes quoi comme arme? Voilà. Ah ah! Et c'est pas un perso unique en plus. Attends, pourquoi ça tremble comme ça? Il demande quoi comme stat? 75 en balistique. Bah oui. Ils ont fait un travail de fou sur l'aéroport aussi. Ouais. Aux étrangers. Ça fait bizarre, quoi.
Le jeu il est en anglais et là d'un coup t'as un gamin qui te parle en français. Hey there. J'ai pas le moyen de réparer ma jambe. Pour Unix. D'ailleurs, j'ai retrouvé Arcade, t'as vu? Je sais pas si t'avais Arcade. Attends, de quoi? Arcade, Hotshot, ils étaient là, tu sais, tranquillement, dans la salle des opérations. Mm-hmm. Thérèse. Hey there. How can I help you? It's perfect. NCR chatter is coming in loud and clear. Hopefully the NCR brass talks more about troop movements than love. I just jinxed myself. They're talking about movements a nasty breakfast gave them. Never gonna look at sugar bombs the same way. That aside, tell Clemens the ear hears all. Voilà. Ce qui fait que maintenant, bah, tant que je garde cette tenue, là, la RNC ne me tirera pas dessus. Ça rendra les combats un peu plus difficiles, mais bon. Il suffit juste que je me fasse pas tirer dessus. See you again. Fantastic. This will definitely give us a drop on old Blackthorn and his pals. Once again, you've proved yourself invaluable. Deepest thanks. You're quite the infiltrator. Here, I figured these might help you out. Molly found some old Watts rifles rusting away and did her magic to them. Molly wanted to call them Hell's Ambassadors, but we decided it might be best to just go with Energy Sniper Rifle. A bit less pretentious. Anyways, fait. Ça, ce n'est pas n'importe quelle arme. Parce que ça, si on a l'impression que c'est un look rétro dégueulasse, tout droit sorti de je ne sais où, c'est normal, parce que c'est une arme de Fallout 2. Le fusil, c'est le fusil laser Watts 2000, ça, en termes de design. Ouais.
Ouais, je sais, je dis d'ailleurs, il faut qu'il y a même un mode de fusil sur Fallout 4. Oui, c'est pas étonnant ça, vu que c'est une. C'est une arme iconique de Fallout. Bon, après, en général, j'étais pas tant fan de cette arme parce que je trouve qu'elle a. Elle a un look dépassé de 4 siècles. Forger l'épée de la banne, on va pas faire ça tout de suite, on va aller voir Tasha Weaver pour faire sa quête secondaire. On va voir si... It's a pleasure to see you again. Circle of Steel. Here. I'd say they're hunting the NCR moles that infiltrated the Brotherhood during the war. Finally, some justice in this world. It's a pleasure to see you again. A warrior's life changes a woman. I've spent years sleeping on floors or in the dirt. At this point, sleeping on a bed would feel unnatural to me. It's a pleasure to see you again. While I understand your concerns about the Legion, we shouldn't go cutting deals with the devil. And again, the NCR has... However, in light of this threat, I'll consider making peace with Blackthorn. If you can prove the NCR has redeemed... It's a pleasure to see you again. God has spoken, and this is the verdict. The light has come into the world, but men loved darkness rather than the light. As the sins of the old world have left a stain that has infected the hearts of men, shackled them with darkness, turned the United States into Babylon. The Legion are the living embodiment of that stain. Yet even in darkness, there is light. I am that light. The light that shall burn away the demons of this world, shall thrust back into hell the wicked, the deranged, the abominations. I will ensure they are so utterly erased from the world, from history, that not even in the darkest corner of hell is the name of Kaisar whispered. Oh, what do you have to say about them? And so too the serpent and the apple charmed Eve, the lure of flesh and Sodom. NCR only gives the luster of goodness, but at the core is only rot. Yet, I will grant you the same challenge God gave to Abraham. Find me righteous amongst the NCR, and I shall relinquish my call for their destruction. Breaking the cycle. Farewell. Trouver le moyen de convaincre Weaver de faire la paix avec la RNC. It's a pleasure to see you again. Not transparent, am I? A few days ago, I sent scouts to investigate the old H&H tool factory as a possible site for a new project. Among the items recovered from the military base in Idaho were plans for a new type of improved power armor. The plan was to secure the factory and utilize it for production. However, it seems something bad has befallen our recon team. Please. House of Armor. Et en fait, pour la convaincre de changer d'avis, il faut terminer la série de quêtes de Charlène d'une certaine façon
Et il faut terminer la série de quêtes de Molly, mais enfin, il faut faire en sorte qu'elle se finisse bien, quoi. Ça qui est marrant, c'est que The Frontier utilise pas mal d'armes d'anciens Fallout. Yep. Après, je comprends que Bethesda en mette pas beaucoup d'armes d'anciens Fallout, étant donné que qu'il y a beaucoup de siècles qui les séparent et que c'est de l'autre côté du continent. Bon, 76, ils l'ont fait, mais après, c'est normal, parce que 76, c'est juste 25 ans après, donc c'est encore assez logique. Don't kill les gardes de prison. Ah! Je dois infiltrer la prison de la RNC? Attends. Ah ouais, donc en fait, la RNC a... Si je comprends bien, la RNC a capturé des agents des Crusaders et je dois les libérer. Je dois éviter que ça fasse des effusions de sang. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Parce que je me connais. Ouais. Donc j'ai bien eu raison de faire la quête de Clément, hein, avant. Parce que je pense qu'il sera plus facile de les libérer avec un costume de la RNC. Je sais pas ce que t'en penses. Putain, en parlant de Starfield, moi ça me ferait rire si un modeur il rajoute la Légion de César en ennemi, tu sais. La Légion de César avec des vaisseaux spatiaux, là, tu sais. On va les renvoyer à la casse. John got yelled at again. I wonder what he did this time. Don't kill les gardes de la prison. Okay. Ouais, moi aussi j'aimerais éviter de les kill. Ok.
En fait, cette quête secondaire, je l'ai jamais faite. Ça, on se rappelle de cette cellule. Avec Gray, le méchant espion de César. Ouh. Pas pourquoi, mais ça m'a pas l'air d'être un bon plan. Voilà, je dois trouver le dénommé Félix déjà pour commencer. Hey, over here. Allez, voilà. Clearly too eager to talk to me to be one of those regular guards. Besides, a little more put together than they are. Glad to see a friendly face. I'm Felix. I hope you have a plan to get Claire and I out of this place. You can probably get the cell key off the warden. Just follow the stink of whiskey and you'll find him. I can't tell you to kill him or his mitigate conscience. What's up? What's up? It's a sad... Overcome with a high fever, she became delirious and wandered into our town. My pa wanted the shooter on sight, as most do with raiders. We were able to save her life, but had to remove her tongue in the process. Against Pa's wishes, I cared for her. Pa almost ate his tongue when it turned out she was a technical genius. She oh, learned to hack terminals and serp. Ouais. Now she is our main hack. Tout le monde pour pas qu'elle parle. Hey man, do you have any chem? Le souci c'est que. Je leur ai donné les tenues. Donc ça veut dire que si je les libère, ils risquent rien parce qu'ils sont habillés en soldats de la RNC. Le problème, c'est les clés. Mm-hmm.
parce qu'ils disent quoi. On va fouiller le bâtiment administratif. Si je trouve pas des clés par hasard. Bonjour. Oh, le vieux réchaud. Parce que c'est ça le problème. Sauvez Félix et Clara. Peut-être que dans le storage, il y a des clés. Génial, ça m'avait manqué ça. Pas de clé. Ce qui est... Ce qui est problématique. Est-ce qu'il y a un personnage majeur? Alors, je sais pas quoi faire là. Alors, parce que j'ai aucune idée de où se trouvent ces clés. Solus. Une tenue de député, ouais non mais ça c'est pas le problème. Il y a un bâtiment administratif. Cafétéria, cell block, storage shed. Il y a un bâtiment que je ne vois pas dans la prison. Ça peut pas être la cafétéria. Chose à fouiller quoi. À part que le mess des gardes de prison ils sont très bien nourris quand même. Hein. Faut le reconnaître. Mais... J'en suis presque jaloux.
Non, putain, je viens de tomber sur une. Sur une vanne. Ah ouais? T'as deux potes qui rentrent dans une pharmacie, tu vois. Et donc vont voir la pharmacienne et. Le gars, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il achète une boîte de capotes, tu vois. Et il fait ça toutes les semaines, même jour, même heure, il se pointe et il achète une boîte de condoms, de capotes, tu vois. Ouais, ouais. Et au bout de peut-être un mois, tu vois, il revient à son habitude, puis au bout d'un mois, ça la saoule que toujours même. Enfin, tu vois qu'au bout d'un mois, elle est exaspérée, la pharmacienne, tu vois vraiment sur son visage qu'elle est dégoûtée. Et bon, ils sortent comme lui et son pote, ils sortent comme à leur habitude de la pharmacie. Puis t'as l'autre, tu te dis, mais attends, toutes les semaines, tu achètes une boîte de capotes. T'as pas de petite amie. Puis t'as lui, il fait, non, j'ai pas de petite amie. Mais la meuf dans la pharmacie, c'est mon ex. Donc à venir voir son ex pour lui acheter des capotes, ça lui fout les nerfs, là. Ah, d'accord. Ah bah voilà. Le vol à la tire dans Fallout, que ce soit le 3 New Vegas ou le 4, il restera débile. Ah ouais. Bah, je me suis accroupi devant lui et je lui ai fait les poches, quoi. Bah ouais. Si tu es suffisamment discret. Si le jeu te dit que tu es suffisamment discret, c'est que c'est bon. What's up? Great. If you have any more... J'aime faire le connard avec les RNC. J'avais cru comprendre. Les RNC qui abattent des prisonniers. Je suis pas fan de la RNC à cause de New Vegas ou ce genre de choses. Et que j'ai un mauvais souvenir de la RNC dans Fallout 2. Mais j'ai tendance à séparer les exilés du reste de la RNC. Based on our attempts to hack into the HCH mainframe from Robco Tower, the whole network is infected with one nasty computer virus. Claire believes that if we can get her to the main factory controls, she can isolate... Hold up. Vous savez quoi? Je vous laisse tirer, après je regarderai ce que c'était après. Félix et Clara pendant qu'ils piratent le machin. C'est vrai qu'il marche bien, je suis fils. Les plantes carnivores citrouilles. Enfin, le seul problème de celui-ci, c'est le bruit qu'il fait.
C'est, il fait quasiment pas de bruit, on dirait un silencieux le machin. Should be able to get things up and running in a day or so. Rand spanking new power armor? Here we come. Give the Domino my thanks. Come back in about a week and I'll set it. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Retournez voir la Domina pour les news. Ok. Pour moi, tu vois, ceux qui critiquent The Frontier, c'est un peu comme ceux qui critiquent Fallout 4, c'est que... C'est qu'ils critiquent, mais sans parler du... sans parler des bons points derrière, tu vois. Ouais. Parce que Fallout 4 a l'une des customs d'armes les plus poussées qu'on a vu dans un RPG. La majorité de la communauté de Fallout reconnaît que Fallout 4 à la meilleure exploration d'un Fallout, même s'il y aura quelques haters qui vont dire quand même que le que l'exploration dans Fallout 4 elle pue la merde à côté de New Vegas. Ben c'est surtout que c'est pas le bon étage. C'est surtout que Fallout 4, c'est de la vraie exploration. T'explores ton endroit parce que tu peux peut-être choper un item légendaire aléatoire. Là où New Vegas, ben, tu fais une fois le jeu, tu sais obligatoirement ce qu'il y a dedans, donc tu sais si tu dois fouiller l'endroit ou pas. Elle est où la Domina? It's a pleasure to see you again. At least his death wasn't in vain. May he rest in peace. I'll send word to have our production team get to work at once on the new power armor. The Crusader, bonne réputation. Si je comprends bien, j'ai reçu une nouvelle armure. C'est quoi la récompense? Ce n'est pas annoncé. Ok. Bon. Bah ça nous fait encore des quêtes en moins. On est heureux. Dans les profondeurs. Ah oui, ça c'est une quête qu'il va falloir que je fasse. Mais pas tout de suite. Graine d'un cœur haineux. Praxis. Et c'est quand qu'on fait Praxis?
c'est pas important à faire. Pas tout de suite. Allez voir Molly pour l'arme à énergie. De toute façon, c'est quoi celle-là? Ah, faut que j'aille à la bibliothèque du port de Londres. Mais d'abord, je vais voir si Charlène n'a pas une quête secondaire pour moi. Et après, j'irai voir, j'irai faire peut-être vite fait la quête secondaire à la bibliothèque parce que c'est juste des dialogues. Puis après, bah, je crois qu'on commence. Alors, techniquement, non, il y a encore des quêtes secondaires à faire, mais elles se débloquent en avançant dans la quête principale. Ouais. D'ailleurs, c'est quelle heure? Forsythe aussi qui est une quête pour moi, il faudra que j'aille le voir. Mais je sais pas où il est par contre. Hello again. I'll be able... I wasn't always this dour. Once I was brilliant, vivacious young scribe. Not as fervid as Molly, mind you. Elijah changed all that. After the battle of Helios 1, I was wounded by a rad scorpion as we fled towards our new bunker. I began to bleed out, but then Elijah found me. I'd always looked upon him like a grandfather. He seemed particularly taken with me and another girl, Veronica. He stopped the venom and my bleeding. As he carried me away, I... While he repaired my body, Elijah had other designs for my brain. Specifically, oh ouais, Elijah qui l'a retrouvée à moitié morte et qui a fait des expériences sur elle comme un scientifique fou. Apparently, he'd taken a fondness to me because of my gift and wanted to enhance it cybernetically. The surgery. I don't know how many days had passed, only that it was several surgeries later. He grew frustrated with the process and stitched me up mid-operation. He raved about not having the proper tech, but that he knew where to find it. Elijah abandoned me. I woke in a shack on the outskirts of Freeside.
I never heard from him again. The last round of surgery damaged me. My amygdala, specifically. In short, I have trouble processing emotions, particularly happiness and anger. I've worked with the Domina and Clements to perhaps. As a teen, I discovered I could know things via nasty shocks of electricity. I owe my impulsivity to fix an old terminal for the revelation. Tasha believes the ability is a gift from God. Something about biblical prophets having similar powers. Me? I have a more mundane explanation. Pretty sure, being a scribe, my mother was exposed to some FEV residue, or heavy radiation, from old pieces of tech, before she knew she was pregnant. A lot of babies in my bunker had birth defects around the time I was born. So, put two and two together. It's more like visions of what another person around me is feeling. It works both ways. With enough concentration, I can make another feel a certain way. You can imagine why Elijah wanted to save me. What a mass-scale, weaponized version of my power would do to the NCR morale. Nightmarish, indeed. I am glad to be part of the Crusaders, but not part of this vengeance against the NCR. Like, vengeance is like radiation, seemingly harmless at first. But the more you indulge, the quicker it eats you until nothing remains but a mindless husk. This is why I despise my vitriol for Elijah. I do not seek him out. Tasha, I fear, has soaked in the poison of vengeance far too long to save her. You have my blessing to try, if you can. I will pray for you and the peace you seek. Sadly, yes. It was terrible. Remember I said I was alone after Elijah fled? I had nothing, other than my bloody scribe robes, not even shoes. I didn't get too far before dehydration and blistered feet stole what little willpower I had left. Then I spotted him, a young crimson caravaneer. I flirted with him, tried to get some water and food, but he wanted more than I was willing to give in exchange, if you catch my drift. So, told him I knew a neat trick with the fission battery. I licked the top and my gift activated. I tried to make him feel pity for me, feel generous. Blood gushed from his nose, ears, and eye sockets. His shrieks were the most painful and blood-curdling I have ever heard. An aneurysm, I guess. I can still see him writhing on the ground in my nightmares. I tried once more on a feral, and I learned I didn't even need the shock anymore to use it. If only Elijah had not been so hasty, he would have known of his success. Thank God for his hubris, or I might have been a weapon to surpass the nuke. This advanced medical research lab was abandoned prior to the war. Not enough for a robotics company to be involved in such an undertaking, but this is only a subcon of the strangeness. It seems that someone tried to ransack the place, but settled for smashing all the terminals and burned them along with all the research logs in the central room. Someone didn't want whatever was going on up here to be noticed or discovered. Perhaps a revelation they felt impeded upon the works of God. Perhaps something as terrible as learning to split the atom. My mind churns with the possibilities.
For the more my sophers investigate, the more secrets this seemingly innocuous building harbors. We're attempting to piece together the purpose of research done here, but all that's left is evidence of cryogenic experiments on canines, some of which are still frozen in stasis pods. Feel free to look around, but a power surge caused the robotic dissection suites to reactivate, and we currently can't find the means to shut them down. Fait beaucoup de dialogue. Bon, je devais aller voir Molly et je vais en profiter pour voir si elle a pas une quête secondaire à me confier. J'ai pas le souvenir de cette armure. Ouais, ouais, ils étaient pas là avant. Ça, tu vois, c'est la quête que je viens de faire, ça. Ils ont réussi à créer une nouvelle armure assistée. The gun all sketched out here on the chalkboard, and holy shit, it's a prize. Jericho is damn right. This son of a bitch could blow a hole to hell and still have some juice left. The notes say it was made to take out chimeras. Apparently they were a Chinese tank. A General Chase commissioned General Atomics to make the Jericho fusion cannon here to neutralize them. Apparemment c'est une arme qui est capable de détruire des tanks chimera. Déjà, ça te dit le niveau de l'arme, quand même. So, I need you to go dumpster diving for me. So, I need a photon agitator, multi-fusion capacitor, and an L'arme, elle est ultra puissante. Mais... It sounds fancy. Faut pas l'utiliser de près, quoi. Cars, trains, and boating navigators. Je suis déjà mort en l'utilisant. Use that as your starting point. Dans mon ancienne partie. There are metros and bound to be a repair shop somewhere around here. Just bring it to me and I'll slap a prototype together for you to field test. Until then, I'll be here working the rest of this shitting thing out. Allez, fais-moi la traduction, s'il te plaît. Il y a ? Oui, alors. Oui. Est-ce que vous avez une quelconque information sur la localisation possible de ces choses, de ce que tu recherches? Le deuxième, c'est tu dois au moins avoir une idée d'où on peut trouver tout ça. Je vais pas aller chercher dans tous les trous à scave. je comprends. Ouais. Typique, le donneur de quête marque ma localisation sur ma map. Tu sors ton pip-boy et tu lui tends le pip-boy pour qu'elle te marque la localisation. Ah, oh, mais ça, c'est... ça, ce troll, mais ce troll au 3 que. Ça, c'est magnifique, c'est les modeurs qui trollent le 90% des jeux à monde ouvert depuis 2006. Putain, mais c'est comme... J'avais vu un meme, tu sais, en mode... Quand tu joues à Skyrim, que tu as un chemin dégagé pour marcher, mais que le marqueur te dit que tu dois aller faire un truc de l'autre côté de la montagne, et que du coup, tu grimpes la montagne comme un caribou. Et là, tu vois...
tu vois Morty en fait avec, tu sais, le logo du marqueur de Skyrim sur le front et qui dit je fais ce que le marqueur me dit. If it will get the stuff faster, sure. I'll mark some potential locations on your map. Ok, bon bah allez. On va chercher le FFAG Accelerator Photon Agitator. Et je crois que ça utilise des packs de charge à électrons. Donc en fait, pour comprendre, c'est une arme qui est tellement puissante que c'est l'équivalent d'un réacteur à fusion par utilisation. Ça permet un peu de comprendre la puissance de l'arme quand même. Bah, c'est cool qu'ils ont tous des armures assistées. Des nouvelles armures. D'ailleurs, elle est assez proche de l'armure du menu, celle-là. Mais, ouais. Juste un truc. Ah, ça, il y a une quête avec. Y a une quête à. Mais ça, on le fera. On le fera la prochaine fois. Il y a effectivement encore une petite série de quêtes secondaires à faire. Dans le. Comment ça s'appelle? Voilà le Osford à Benerty Commandery. Où on doit aller voir le maître de camp et il doit nous donner une série de quêtes. Mais d'abord, on va fabriquer là. Ah oui! De toute façon, on va bientôt stopper. Je pense que je vais récupérer un item et je vais sauvegarder et je vais stopper là. Après, tu me diras si tu veux qu'on reprenne ce soir ou si tu veux qu'on fasse autre chose. Oula. Il y en a un, il a des pots, quoi. Ouais, en plus, c'est le chef, Greasy Mike. T'as tout ce bordel juste pour ce machin. On aurait pu patiemment discuter. J'aurais même été prêt à l'acheter, hein, s'il le faut. Alors, de souvenir, ici, je me rappelle que j'avais des gros bugs.
Ah. Ah oui, ça je me rappelle de cette quête. Mm-hmm. En fait, ouais, mm-hmm. Regarde, America, elle est traumatisée. Ah. What's up? C'est à mourir de rire, mec, de voir une meuf en un mur assisté en mode traumatisé. Ça fait pas du tout de l'air. J'avoue que... Elle a littéralement la force d'ouvrir un tank comme on ouvrirait une coquille de noix avec les mains. Voilà ce qui se passe quand tu donnes. Voilà ce qui se passe quand tu donnes à une préadolescente parce que elle a. Alors je sais que les versions du jeu diffèrent parce que dans des versions elle a 16 ans, dans des versions elle a 20 ans. Mais bref, on parle vraiment de quelqu'un de super jeune, une armure assistée. Ben on fera ça la prochaine fois. Mais d'abord je vais récupérer l'item parce que l'item il est cell checker. Non, je ne crois pas que c'est le cell que je suis venu chercher. Ça je prends. Microcellule déchargée. Le item que je dois récupérer. Damaged Stealth Boy. Condensateur à microfusion. Agravain. C'est sur un PNJ qui s'appelle Agravain. Mais je crois que ce PNJ n'est pas là. Donc il va falloir peut-être que je fasse la quête. Que je regarde attentivement. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir que je fasse la quête secondaire. En tout, j'explique le... J'explique le speech de la quête secondaire, c'est qu'en fait on assiste à un massacre, tout simplement. Des scavs se sont fait massacrer, se sont fait déchiqueter par on ne sait quoi. D'ailleurs, ce qui fait qu'America elle est traumatisée de voir des cadavres déchiquetés, ce genre de choses. Et donc, toi, en tant que crusader, tu dois enquêter qui est responsable de ce massacre. Mais surtout parce que celui qui a fait ce massacre a ramassé le truc que tu dois récupérer. Donc tu vois, donc d'un côté t'as ta fibre d'enquêteur qui veut savoir ce qui se passe et de l'autre côté c'est je veux mon multifuseur. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Je vous dis à plus tout le monde, à la prochaine. À plus.